Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul Shein et pas n'importe quel haul Shein. Vous avez l'habitude de me voir essayer des vêtements, acheter de la déco sur Shein, recevoir gratuitement ou faire mes commandes perso. Vous savez que j'adore le site de Shein, je trouve mon bonheur que ce soit pour les vêtements, pour la déco, pour les chaussures, pour plein de choses. Justement, on n'y trouve pas que des vêtements et des chaussures. Cette fois-ci, Shein m'a proposé de m'envoyer un carton surprise, un colis surprise avec essentiellement des choses pour la maison, que des choses pour la maison. Donc je ne savais absolument pas ce qu'il y avait dans le colis, j'ai déjà découvert ce qu'il y avait, je vais vous présenter ça. Shein, sur leur site, ils font une petite box à 1,99€ qui vous permet de recevoir un produit de la maison et qui coûte plus cher sur le site. J'ai vu des vidéos tournées où les personnes reçoivent des articles qui valent plus de 10€. Qu'ils ont payé 1,99€. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa de les laisser m'envoyer une box surprise, ça change. Et je vais vous présenter tout ça. Alors comme d'habitude, vous avez mon code promo qui vous donne moins 15% sur tout le site sans minimum d'achat. Vous pouvez acheter un article et utiliser mon code promo, il est valable toute l'année, plusieurs fois, enfin voilà, vous pouvez l'utiliser 20 fois si vous voulez. Je ne touche pas d'argent quand vous l'utilisez, il faut le savoir. Mais ça vous fait une réduction et c'est plutôt cool. Et quand moi je fais des commandes, j'utilise mon propre code promo, ça fait toujours moins 15%, c'est pas négligeable. Alors, comme je vous disais, sur Shein, ils vendent plein de choses pour la maison, de la déco. J'ai beaucoup de déco à la maison qui vient de chez Shein. Je vais essayer de vous montrer comme ça. J'ai déjà, vous voyez, sur ma tête de lit, j'ai des stickers, ça c'est Shein. Là-bas, ça c'est Shein. Tout ce qui est stickers à la maison vient de chez Shein. J'ai plein de petites décos également qui viennent de chez Shein. J'ai énormément de bijoux qui viennent de chez Shein. J'achète tous mes bijoux sur Shein d'ailleurs. Ces boucles d'oreilles viennent de chez Shein. Mes bracelets là viennent de chez Shein. Enfin voilà, vous savez que j'adore ce site. Je pense que je vous en parle assez comme ça. Et ils ont une catégorie pour la maison. J'adore. Et ils ont des petits gadgets bien pratiques pour la maison aussi. Je kiffe. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Et c'est parti, mon kiki. Alors, tout d'abord, j'ai reçu, donc il y en a deux différentes, mais ce ne sont pas les mêmes, des boîtes à bijoux. Très pratique. En plus, j'en avais une dans mon panier, donc ça tombe super bien. Donc, elle se présente comme ceci. C'est très pratique quand vous partez en voyage ou pas, même à la maison, pour ranger vos bijoux. Moi, je suis super contente parce que je vais pouvoir m'en servir quand on va chez ma mère. À chaque fois, je mets ça dans des sachets. Enfin, c'est galère. Là au moins vous pouvez tout organiser, mettre vos boucles d'oreilles, les bagues ou les colliers. Là vous pouvez mettre des bagues aussi. Là vous avez aussi une planche pour mettre tout ce qui est boucles d'oreilles. Et là pareil vous avez un petit panier, là il y a de quoi mettre, enfin franchement très joli. C'est tout doux à l'intérieur et vous pouvez fermer ça avec une fermeture éclair. Et on a également le même style mais avec une pression comme ça en bleu. Il y a plein de couleurs parce que moi celle que j'avais était en rose dans mon panier. Et donc là elle se présente comme ceci, vous avez pareil là pour mettre les bagues, ça vous pouvez le régler, hein. Vous mettez où vous voulez les séparateurs, d'ailleurs je les ai mis à l'envers, dans ce sens là c'est plus joli, on voit pas le carton là. Et donc en haut vous pouvez y mettre les boucles d'oreilles, hop vous voyez, et là vous avez également le petit panier comme ça, et pour mettre les colliers, les bracelets, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup ça, c'est des articles qui valent vraiment pas cher sur Shein, qui sont de très bonne qualité, donc voilà. Pareil, tout ce qui est sac sur Shein, portefeuille, j'en ai beaucoup de chez eux et j'aime beaucoup. Donc ça, c'est super cool. Je pense que je vais en offrir un à ma sœur puisque j'en ai pas besoin de deux. Ensuite, j'ai reçu... Alors ça, pareil, je pense que je vais le donner à ma nièce parce que pour moi, ça va être trop petit. On a un lot donc, de deux articles pour pouvoir se sécher. Donc un pour les cheveux, vous savez, le fameux sèche pour les cheveux que vous mettez. Et vous accrochez, il y a le petit bouton et le petit élastique, voilà, vous mettez vos cheveux dedans. C'est en matière microfibre, donc ça permet de sécher rapidement. J'ai reçu en violet. Et avec, vous avez une petite, une espèce de petite jupe comme ça. Mais pour moi, voilà, je vous dis, ça va être trop petit, qui est longue. Voilà, et qui est réglable avec un petit scratch, voilà. Donc franchement, c'est super mignon, ça va être un peu grand pour ma nièce. Mais pour quand elle joue et tout, enfin, ça peut être sympa. Ou pour ma soeur, parce que ma soeur rentrera dedans. Donc si elle veut s'en servir, elle s'en servira. Ensuite, alors ça c'est pas à mon goût. Mais quand on sort une box comme ça avec plein d'articles, il n'y a pas tout qui peut nous plaire.
J'ai reçu une taie d'oreiller comme ça, qui est de très très bonne qualité. Il faut savoir que les taies d'oreiller, les taies de coussin, même la literie sur Chine est de très bonne qualité. Tous mes coussins que j'ai sur mon canapé viennent de chez Chine, enfin les taies de coussin. Et voilà, elle se présente comme ceci, elle est très épaisse. Alors ça va pas avec ma décoration, c'est pas que je la trouve pas jolie, parce que j'aime beaucoup, moi j'adore les fleurs, mais ça va pas avec ma déco, et la qualité est dingue, franchement les broderies sont très jolies. Et elle se met avec une fermeture éclair, donc très pratique pour la laver. Donc voilà, ça je trouverai preneur, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses pour, enfin beaucoup de literie. Moi j'ai une housse de canapé également qui vient de chez Chine, qui était de très bonne qualité. Et quand on voit le prix que ça coûte dans le commerce, les gars, ça fait peur. Voilà. Ensuite j'ai reçu un parapluie. Alors ça je suis contente parce que moi je manque tout le temps de parapluie. Alors je vais pas l'ouvrir à la maison parce que je suis assez superstitieuse, j'avoue. Mais il a l'air d'être canon, je ne l'ai pas encore utilisé. Il se présente comme ceci, et ça je vais le mettre dans mon sac que je vais laisser au bureau, parce que à chaque fois en fait j'ai un parapluie dans ma voiture, j'ai un parapluie à la maison, et quand je sors du travail et qu'il pleut pour aller jusqu'à ma voiture, je n'ai pas de parapluie. Voilà, donc là au moins j'aurai un petit parapluie au travail, même quand je dois aller de bâtiment en bâtiment au travail, j'ai pas de parapluie, à chaque fois je me prends la saucée. Donc là au moins j'aurai mon petit parapluie qui ne prend absolument pas de place, donc ça c'est trop cool. En plus il a l'air d'être très joli. J'ai ensuite reçu ceci, alors ça je suis trop contente parce que je voulais m'en acheter un. C'est un mousseur de... Enfin oui, un... je sais pas comment on appelle ça en français. Enfin en français, c'est la meuf qui se prend pour... la meuf elle se croit bilingue. Comment... Oui, un mousseur, enfin pour faire de la mousse quoi dans le chocolat. Donc ça c'est trop cool. Vous mettez une pile je suppose. Vous avez juste à le monter en fait, vous le recevez démonté. Ça c'est trop cool même à offrir, franchement ça fait plaisir. Pour les gens qui sont amateurs, ouais, faut mettre des piles, il n'y en a pas. Ça se présente comme ceci, vous avez le bouton on off là. Et bah ça, pour mousser. J'ai même vu des vidéos qui, des gens qui touillaient les œufs avec ça. Mais en tout cas, bah voilà, c'est cool. Ça prend pas de place et sur Chine, ça coûte vraiment pas cher. Donc pareil, quand on voit le prix que ça coûte sur internet, bah autant en profiter hein. Je vous dis, il y a des choses qu'on ne soupçonnerait même pas sur Chine hein. C'est un truc de dingue. Donc ça, bah, très contente d'avoir reçu ça. Hop, ça rentre plus hein. C'est toujours comme ça. Ensuite j'ai reçu quelque chose de très pratique. Voilà, un petit set comme ça de plusieurs pochettes pour mettre dans la valise. Donc à l'intérieur nous avons 6 pochettes. Moi je les ai reçues en bleu, mais vous avez du rose, du noir, du orange et du beige. Voilà, c'est un lot comme ça de 6 petites pochettes pour mettre dans la valise de différentes tailles. Très pratique quand on veut mettre les chaussures, les sous-vêtements, les maillots de bain, les machins, les trucs. Comme ceci. On en a une autre. Comme ceci, j'ai ma batterie qui clignote. On en a également une comme ceci, même pour ranger après le linge sale dedans quand on part, une petite valise cabine et tout pour organiser, je trouve ça top. Un comme ça, et là on a le plus grand, voilà, qui est un peu plus haut en fait. Donc ça serait, c'est trop cool, franchement très très pratique. Ensuite on va partir pour un petit accessoire pour les enfants, ça ils vont kiffer, j'aurais pas encore montré. Alors moi ma phobie les escargots, je déteste, c'est l'insecte pour moi le pire, vraiment ça me dégoûte, je pourrais vomir à la vue d'un escargot. Alors après comme ça, ça me dégoûte pas hein, mais les vrais escargots je déteste. Et qu'est-ce que c'est en fait ce truc là? C'est un distributeur de savon. Non mais franchement c'est un truc de dingue. En gros on met le savon là, tu dévisses, tu mets ton savon et hop ça part. On remet la coquille et en fait quand t'appuies là, bah t'as le savon qui coule là. Donc trop mignon. Je vais mettre ça dans la salle de bain des garçons, ils vont kiffer autant vous dire, c'est sûr. En plus Raph a tort les escargots. Donc il va être trop content. Donc ça je vais leur mettre dans la salle de bain juste après. Je vais leur mettre le petit savon à l'intérieur. Et ensuite, on va avoir du luminaire. Alors, on a, c'est pareil, ils ont une catégorie luminaire Chine, un truc de malade. J'ai deux néons, on en a deux? Oui, on a deux néons dans le bureau de mon chéri qui sont magnifiques. Franchement, je les adore. Une guirlande LED qui fait tout le tour de sa pièce. Franchement, magnifique. Ils font des trucs de dingue au niveau luminaire sur Chine. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ils font plein de petites veilleuses. Alors là, on en a reçu une, vous voyez, avec un astronaute trop mignon. Donc ça, les garçons étaient trop contents, ils l'ont vu direct.
Ça m'a l'air assez fragile, donc faire attention, mais de très bonne qualité. C'est vendu déjà avec une pile, voilà, vous le recevez, il fonctionne déjà et je trouve ça trop mignon. Nous, on a des Mister veilleuses à la maison, donc du coup, bah, ça va servir de veilleuse et ça, c'est cool. D'ailleurs, j'ai reçu une autre veilleuse qui est arrivée dans une petite boîte comme ça. Là, j'ai mis des piles à l'intérieur. Voilà, un petit bonhomme comme ça. On a le bouton on, off, hop, en dessous. Et voilà, c'est une veilleuse tout simplement. Donc ça, c'est trop cool. C'est en tout vous voyez, et ça change de couleur. Franchement, top. Voilà, vous avez juste à toucher et voilà. Trop cool, je suis trop contente parce que ça on en a acheté une il n'y a pas longtemps en magasin qu'on a payé une blinde, voilà. Et là, bah là c'est cool de pouvoir recevoir ça. Ensuite, alors ça je vous montrerai après allumé, enfin je vous mettrai une petite vidéo incrustation. Mais on a reçu une lampe avec du sel, je sais pas si vous connaissez ces lampes là, elles sont très très jolies. Alors en fait quand vous le recevez c'est pareil, dans une petite boîte, vous avez les sels à part dans un sachet. Et en fait vous avez une LED, enfin plusieurs LED même à l'intérieur. Vous la branchez, vous avez un port USB, le petit interrupteur et ça vous fait une lumière super sympa. Elle est très jolie, j'aime beaucoup ça, la petite forme comme ça, très sympa. Donc ça je vais le mettre dans le salon, ça va être très sympa. Et je vous montrerai allumer ce que ça donne. Ensuite on a reçu un petit vase comme ça, je sais pas trop comment on appelle ça. Vous voyez, il y a un petit tube à essai comme dirait mon chéri. Et vous mettez une fleur dedans, je trouve ça très très joli. Ça j'avais déjà vu sur leur site et j'aimais beaucoup. Donc pareil pour mettre en déco dans le salon, ça peut être très sympa avec une fleur. Faut que je trouve quoi mettre comme fleur dedans, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et pour terminer, on a reçu une petite lampe comme ça avec une télécommande. Alors ça c'est cool parce que je l'avais vu aussi sur leur site. Pareil, qui se branche avec un port USB qui est arrivé dans une boîte comme ça. Et là on a le coucher de soleil. Alors en fait ça imite un peu le coucher de soleil, vous voyez, ça donne cette luminosité là. Très très sympa. Alors après je pense que oui, vous pouvez régler toutes les lumières puisque vous voyez il y a plusieurs couleurs sur la télécommande. Donc après vous réglez comme vous voulez. J'ai hâte de tester, j'ai pas encore testé, je vais la brancher. Vous verrez en même temps et elle s'oriente, vous voyez. Donc ça c'est super sympa, même dans le salon, le soir, se faire une petite ambiance cocooning. Enfin j'aime trop, en plus là c'est la période quoi. Là ça y est, il fait froid, on a envie de rester sous la couette, dans le canapé, devant des séries, avec les petites lumières allumées. Moi j'adore, donc je suis super contente. Donc voilà pour ma petite box surprise de chez Shein. Merci beaucoup en tout cas à eux parce que bah, je suis super contente. Franchement ça c'est cool, il y a des choses que j'aurais jamais achetées et qui au final me font très plaisir. Donc merci beaucoup à eux. Comme je vous ai dit, vous avez tout vous avez mon code promo pardon en barre d'infos qui vous donne moins 15% sur tout le site. N'hésitez pas à aller découvrir la catégorie maison parce que franchement ils ont des pépites. Vraiment c'est super joli ce qu'ils ont et pour pas cher. Donc voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous aussi vous avez déjà craqué sur la catégorie maison, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous préférez dans la catégorie maison sur Shein. Est-ce que c'est les stickers, est-ce que c'est les bases, est-ce que c'est... N'hésitez pas à me dire tout ça parce que j'y passe énormément de temps sur Shein mais je suis sûre que je loupe des pépites. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous laisse ici, je vous fais plein plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah !